Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que sans révélation, mon peuple est sans frein. On ne peut pas rouler avec une voiture sans frein. On ne peut pas rouler avec une moto sans frein. C'est un danger. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Et je me rappelle de Daniel. Il est rapatrié à Babylone. Jérusalem est détruit. Ils sont pris en captif. Mais quand il rentre à Babylone, il résolut dans son cœur de ne point se souiller. Quel homme. Daniel, tout est détruit. T'es en prison. Laisse tomber. Non. Même à Babylone, j'honore Dieu. Même à Babylone, j'honore Dieu. Il ne veut pas manger la viande et il ne veut pas boire le vin. Je ne sais pas vous, mais si tu es en prison et qu'on t'amène de la viande et du vin, je ne connais pas beaucoup qui vont se priver. Hein? Daniel, il ne veut pas. Je ne veux pas de la viande, je ne veux pas du vin. Pourquoi? Parce qu'il est sacrifié à des dieux étrangers, le roi. Donne-moi de l'eau et des légumes. Mais t'es fou, Daniel. Si je te donne de l'eau et des légumes, ton visage sera triste. Et le roi va me couper la tête. Parce que t'as besoin de 3 ans de formation pour donner un verre d'eau au roi. T'as besoin d'être en forme. Donne-moi de l'eau et des légumes et tu vas voir qui aura le meilleur visage ici. Dans 10 jours. Amen. D'accord. 10 jours après. Il a bu que de l'eau et des légumes, il a mangé. Son visage est rayonné plus que tous ceux qui ont mangé la viande et qui ont bu le vin. Daniel, qu'est-ce que tu fais encore? Je vais prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Je sais de quoi Dieu est capable. Alors si tu te prives de tout et que tu pries, Dieu va te révéler les 70 semaines de Daniel, le règne de l'Antichrist. Et tu vas voir la statue du roi Nebuchadnezzar, comment que son règne sera détruit. Tu vas révéler tout ça à Daniel, Seigneur? Oui, pourquoi? Parce qu'il a mangé des légumes et il a bu de l'eau. C'est pas possible. Oui, il ne s'est pas mélangé avec Babylone. Et ceux qui ne s'en mélangent pas sont révélés. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Seigneur, certains disent que tu es Élie. Ah bon? Certains disent que tu es Jérémie. Ah bon? Certains disent que tu es un prophète. Ils n'osent pas dire Moïse. Ah bon? Et vous? Au moins vous? Vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. Amen. C'est vrai. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Pierre, je suis obligé de te le dire. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Quelques jours plus tard, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il part sur la montagne de Transfiguration. Une nuée va dévorer Jésus, écoutez-moi bien. Et là, Élie et Moïse vont apparaître. Pas possible. C'est Pierre qui va les reconnaître. Élie et Moïse. Élie et Moïse. Élie et Moïse. Pas possible. Moïse, c'est Dieu qui l'a enterré de ses propres mains. Personne ne sait où Dieu l'a enterré. Élie, il est parti vivant dans un char de feu. Et pourtant, ni la chair, ni le cieux, ni la chair, ni le sang n'hérite le royaume des cieux. C'est un mystère, il est vivant. Pourquoi il apparaît Moïse et Élie? Alors on le sait, nous. C'est le plan de l'humanité. La loi, la grâce et l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est le plan de l'humanité. Il y en a qui disent que c'est la loi et les prophètes. Mais la loi, la grâce et l'enlèvement de l'Église. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est Pierre, vous avez dit que j'étais qui l'autre fois?
Moïse, il est là. Élie, il est là. Et attendez, c'est pas moi qui va parler, c'est mon père qui va parler pour moi. Voici mon fils. En qui j'ai mis tout mon amour et toute mon affection. Alléluia. C'est Pierre qui les reconnaît. Seigneur, laisse-moi placer 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. Ah oui, il est révélé, Pierre. Amen. Il lui révèle des grandes choses. Alléluia, dans la simplicité. Amen. Il a été révélé par le Christ. Il a été révélé pour les grandes choses. Jean, l'apôtre de l'amour, qu'est-ce qu'il fait, lui, Seigneur? Il dort sur ma poitrine et il entend les battements de mon cœur. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Un jour, j'étais chez moi. Pardon, vous allez me prendre pour un fou. Mais j'ai voulu me mettre à la place de Jean. Je me suis imaginé à entendre les battements de cœur de Jésus. Ça a duré une seconde, mais je me croyais tout près du Christ. Il ne l'a pas abandonné à la croix. Il est resté fidèle. Il a gardé son amour. Il a gardé sa parole. Qu'est-ce que tu vas révéler à Jean? À Jean, je lui révèle l'Apocalypse, la petite porte, les 24 vieillards, les vêtements blancs, les noces de l'agneau. Pas possible, parce qu'il a juste dormi sur sa poitrine et parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la croix, lui. Lui, je lui révèle tout le livre de l'Apocalypse. Alléluia! C'est dans les petites choses que tu révèles les 6 grandes. Oui, c'est dans les petites choses, alléluia, que je révèle les grandes choses, alléluia. Sans révélation, mon peuple est sans frère. Vous voulez être révélé? Vous voulez, malgré qu'on a la parole de Dieu? Gardons-nous. Gardons-nous de Babylone. Je m'excuse. On ne peut pas être révélé si tu viens à la réunion et que tu vis de ce qui vend dehors. Il n'y a pas de révélation. On ne peut pas mélanger. Amen. Vivons de la main de Dieu. Amen. Restons fidèles. Soyons vrais. Mais comment je vais faire? Dieu sait comment tu vas faire. Amen. Soyons révélés par Dieu. Laissons Dieu nous conduire. Amen. 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 Je ne dis pas tous. Y aurait-il une personne des fois qui est léger dans ses pensées et qui se dit que le péché c'est rien si le péché c'est grave? Il se dit, c'est pas grave, Dieu connaît tout. Même si Dieu connaît tout, on ne peut pas être ami avec le péché. On ne peut pas être ami avec le monde. Nous devons nous garder des souillures du monde. Gardons notre témoignage, gardons notre vie. Dieu est vivant. Amen. 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 On chante le dernier cantique, si les frères me permettent. Amen. Et on laisse la place à la parole de Dieu. Je crois qu'on va être bénis. Amen. Je crois que les rétrogrades vont revenir à Dieu. Je crois que les inconvertis vont se convertir. Je crois que les foyers vont être bénis. Je vais aller plus loin. Je crois que le monsieur va te donner du travail. Abraham, jusqu'à là, oui, je le crois de tout mon cœur. Je crois que tu ne dois pas douter de Dieu. Je crois que Dieu est bien. Oui, il peut te donner même un petit logement. Dieu est celui qui peut bénir en toute chose. Amen. Dieu est capable de bénir. Amen. Alors on va chanter un dernier cantique, amen. Et on va prier le Seigneur. Amen. Allez, les frères, on chante un cantique.